Et bien salut tout le monde, c'est Mister Jo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur One Piece Treasure Cruise pour un événement spécial qui est le Golden Sugo Fest. Alors Golden pourquoi? Parce qu'on peut avoir que des raretés. Je crois que le Golden c'est à partir de 4 étoiles et plus ou 5 étoiles et plus. Je ne sais plus, mais le truc c'est que j'ai farmé 50 gemmes. Donc j'espère que je vais avoir des bons trucs. On commence sans plus tarder. J'espère avoir de nouveaux personnages. Alors c'est spécial Punk Hazard. Espérons d'avoir des trucs bons. Des trucs que j'ai pas. Oh, oh cool. Oh purée. Excellent. C'est un sac à PV celui-là. Tireur tenace. Little Oz Junior. Inflige des gastrons considérables à tous les ennemis et améliore grandement les chances de tomber sur un cercle strong pendant 3 tours. Et sachant que ce truc là a plus de 3000 PV, je ne sais plus exactement. Je ne sais plus exactement dans quel, si c'est l'évolution de au-dessus ou pas. Mais je sais qu'il a masse PV. Bon, ça commence bien. Je suis plutôt content. Ça me fait 10 invoques là. Bon, ça, je l'ai déjà. Chopper. Chopper en psy, pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Allez, suivant, suivant, suivant. Oh, c'est. Comment il s'appelle? Hack. Hack un coup de poing des 4000 briques. Attendez, j'ai mal lu. Alors, c'est toi. Elle est tellement loin de la description. Réduit les HP des ennemis de 20% et modifie le cercle. 20% en 20 tours, directement 5 étoiles en plus. Et franchement, Mihawk ça baisse de 30% les PV ennemis. Là c'est carrément 20%, c'est quasiment comme Mihawk et c'est 10 tours de moins donc ça peut être intéressant. Capitaine Ability, alors attendez. Voilà, réduit le temps de chargement de coup spécial de 3 tours. Excellent. Au bout du début de la quête et double l'attaque des personnages de type cogneur. C'est un cogneur tenace. Franchement, bon personnage, je suis pas déçu. On continue. On continue. Et Pell, bon, c'est le troisième que j'ai, malheureusement. C'est un très bon personnage, hein, mais vu que je l'ai déjà, il servira qu'à fusionner, malheureusement. Malheureusement pour moi. Alors, voilà, petite golden encore, touch, voilà, j'étais pas loin. Améliore énormément les chances d'obtenir un emplacement quick pendant 3 tours, ouais, en 16 tours. Et attaque des personnages de type quick x3 si les HP sont au max. Ouais. C'est pas fou, c'est pas fou. Bon, c'est un personnage que j'ai pas, donc c'est toujours bon à prendre. Suivant. Allez. Est-ce que je pourrais avoir monnaie? Je sais pas. D'accord, bon, je l'ai pas. Krieg, empoisonne tous les ennemis. Attaque réduite de 20%. Ouais. Je l'ai pas, donc à voir. Mais c'est pas fou non plus. Hein. C'est un personnage qu'on peut farmer en début de quête. J'aurais aimé avoir mieux. Attention. Ok. Bon, parlons. Très bon personnage, mais que j'ai déjà. Il me reste 3 invocations. On y va, c'est parti. Je pense qu'ils ont pas mis les 6 étoiles. Hein. Ça serait un peu. Oh purée, Usopp. Ok, bon. C'est un très bon personnage aussi. Hein. Très très bon, mais je l'ai déjà. Je dois avoir quasiment tous les Usopp du jeu, quoi. Ah, d'accord. Ça a lancé. Ensuite. Oh! Oh, cool! Bon, là, je l'ai en petite évolution, mais... Ah, je l'ai en 5 étoiles. Elle est en 5 étoiles, sans blague. Elle est déjà au max. Attaque et RCV des personnages type Psy x2. Excellent. Et spécial, multiplie la quantité des soins lorsqu'un personnage utilise un emplacement jambonneau de x1,5 plus x2. Oh! Franchement, ça peut combiner avec Gwarp. Pendant 2 tours en 13, et ça se recharge en 13 et ses stats 1500 HP.
204 Hz. Très bon. Je suis pas déçu. Dernière invocation, les amis, on va voir. J'espère avoir un nouveau personnage. Ou un truc 6 étoiles. Non, je sais pas 6 étoiles. Allez, un nouveau personnage. D'accord. Très bien, je vais me faire arracher. Bon, Chaka, que j'ai déjà en 3 fois. Et voilà. Effectif. Donc, niveau les personnages, franchement, Little Oz Junior, je suis plus qu'heureux. Ça, il n'y a pas de souci. Chopper Cogneur, machin, nul. Hack, je suis très content. Thatch, pas fou, mais ça va. Donkrieg, bof. Et Bonnie la gloutonne, très très bien. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 nouveaux personnages. Donc 4 très potables. Très très potables. Choqué quoi, réduit de 3 tours. Arrêtez, ça limite, ça remplace, ça serait le second Miwok. Le second après Miwok qui est intéressant. Pour la réduction des HP. Bon, après comme vous pouvez le voir, alors attendez, j'ai chopé le personnage du donjon actuel qui est Kalgara. Il y a un autre personnage caché, mais je ferai pas le donjon parce que je fais une petite pause One Piece. Mais on l'a vu qu'il y avait le Golden Suko Fest, on est profité. Et j'ai le crocodile du moment que j'ai maxé, qu'on va évoluer tout de suite. D'ailleurs, voilà petite évolution. Hop, donc c'est pas le meilleur des c'est pas le meilleur des crocodiles, mais il reste relativement intéressant. Où es-tu? Ouais, tu es là. Ravageur intellectuel. Ses stats sont potables, hein, c'est pas le meilleur. Mais bon. Il booste les classes ravageurs de 1,5 pendant un tour et en plus empoisonne les ennemis. Ça va, ça reste intéressant. Double attaque des personnages ravageurs. Ok. Et réduit les dégâts subis de 10%. Ça reste intéressant, hein. Il coûte que 20 pour un 4 étoiles. Il se recharge en 24 tours. C'est correct, c'est correct. On a connu pire. Bon, et bien sur ce, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et un commentaire. Dites-moi dans les commentaires aussi qu'est-ce que vous avez eu dans ce Sugo Fest. Parce que franchement, là, il faut en profiter. Hein. C'est que le Golden. Même si j'ai la poisse, j'ai pas trop de chance au niveau invoque d'habitude. Là, j'ai de quoi me rattraper entre guillemets sur les autres Sugo Fest que j'ai pu faire. Donc voilà, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao tout le monde.